Bonjour et bienvenue sur la route vers l'artillerie 10. Je suis à nouveau en compagnie de Polo et on va encore essayer de niquer leur gueule aux méchants. Voilà, je crois que j'ai résumé un peu la situation. Hein, Polo? Ça y est, Polo n'est plus là. Polo est occupé à bouffer ses pattes comme un salaud. Le meurtre, absolument. Qu'est-ce que c'est que le meurtre, mon vieux? Ah, même pas. Ouais. Je ne veux pas savoir ce que j'ai entendu. Pas de salaud, donc j'imagine que tu. C'est possible. Et la forêt avec. Et on appelle ça. Bon, alors t'as pris un rumbi, hein, comme c'est original, dis donc. T'écoutes du RMB. Bon, c'est bon, je suis OP. Appelle ça de l'industrie, pas du meurtre. Je t'entends encore plus mal que d'habitude. Peut-être que c'est la drogue. Peut-être que c'est la barbe. Ouais, peut-être qu'elle a poussé depuis hier. Moi je ne crois pas, mais peut-être. Ça doit être ça. Faudrait que j'essaie de me trouver un préampli de malade. Et un bon gros préampli de bâtard à mettre devant le micro là, histoire que. Que les gens. Enfin, histoire que ça bourre quoi. Vallée sacrée, tiens. Je connais pas cette carte. J'ai jamais entendu parler. C'est pas celle où il y a un lac et il y a une ville. Je crois qu'il y a plutôt une ruine et un bourg et ça s'appelle Ruinberg. Ou bourg-ruine. Bon, je sais pas, je vais essayer de me foutre en J8, tu vois ça? Mais j'avoue que Vallée Sacrée, en plus en partant du sud, j'ai toujours du mal. Il y a des ennemis dans la zone. Détruisez-les pour capturer leur base. Est-ce que ça va aller? Oh tiens, c'est drôle. J'attendais avec une chose. Bon, y a pas d'artillerie. Merde, y a pas d'artillerie en face. Notons-le. Concentrez-vous sur cet endroit. Alors j'interviens, messager de destin. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais si il donne des fruits. Alors je suis spoté là où je suis. Oh, c'est chaud. Merde. Il y a du monde du côté du temple apparemment. J'ai l'impression que j'arrive toujours trop tard pour l'espèce de temple qui est au sud-est. Qui a pris des chars moins lents. Ouais. Fort Toysman. Oui, bah là en l'occurrence je suis avec un IS-8 et voilà. Le IS-7 là. Vous êtes un homme, tu n'y es pas. Ils se sont trouvés. Même pas un singe, une créature des médias. Les médias c'est comme le temps, sauf que ça fait par là. Donc les mecs sont juste côté les mecs au nord. Ah ouais, bah. C'est vous qui avez regardé. Enfin, le mec, mais ils sont plusieurs, je vois que ça tire. Je sens que ça va être. Je sens que ça va être la partie d'immunité me concernant. Ah, je vois un sang, je vais peut-être pouvoir lui faire quelque chose. Je vais peut-être pouvoir lui faire un câlin. Ouais. J'ai pas l'impression. Oh. Le démon a vu. Les gars arrivent dans le. Les gars arrivent dans le. Dans le couloir là. Tout le monde est bon, lui, si le démon vit ici. Chargé, allons-y. Il se nourrit de la haine, de Tayak. Moi, je suis encore le seul connard à avancer, là, alors qu'il y a trois lourds avec. Non, mais avance pas, vas-y, c'est mieux. On nous dit qu'on est de la merde dès notre premier souffle. Ouais, ça, c'est... Au bout d'un moment. Allez, mes recharges. Yes. Oh, je lui ai fait, il s'est bien fait tester, lui. Elle devient.
Votre raison d'être. Allez, allez, encore un petit coup. Vous avez fait encore un petit coup. Maintenant, arrêtons ces délires. Merde, merde, j'ai pas chargé. Ah, bien vu. Oh. Je l'ai déchenillé au moment où il s'est fait buter, ça m'a rapporté ça. Bon, en tout cas, ma planque elle est sympa. Je l'avoue, je l'avais jamais testé. Oh, l'autre il planque en lourd. Bah, en même temps, je suis tout seul. Hein. L'ennemi nous a dans son viseur. Tout seul, et les mecs, quand ils vont décider d'attaquer, ils vont tous me tomber dessus. Ça va être juste la violence. Oh là là. Mon destin. Dis, tu crois au destin ? Mon destin ? Ah, y a 3-10 en face. 3-10 et 4-9. Ah, y a, je suis repéré. Condoléances. Je vais avoir le temps. Oh, putain. Par l'IS-7, en plus, il est trop dessus. Il a pas réussi. Il a pas le temps de me tirer dessus. La prise de. Oh, forcément, si on a un autre. Un obus. Vos mille prières. Les trois quarts de la vie en moins. Alors là, je serais curieux de savoir comment ce mec a pu me repérer alors que moi je l'ai pas. Il y a peut-être des lunettes de ouf. On va s'en débarrasser. Ah si, ils ont un rumbi, j'allais dire, sachant qu'ils en ont pas. J'ai l'impression que les gens sont pas très conscients que les gars sont prêts à nous. Oh oh oh. L'amour. C'est pour ça que je sais que Mallory est mon salut. Docteur Satan 88. Le mec totalement crédible. L'ennemi sait où on est. Seul l'amour. Méditez là-dessus. Paré à tirer. C'est qui dépasse à l'IS-7 au nord là, je peux pas lui. Ouais, le lourd, je le vois sur le radar, mais. Forcément, je dis que ça sert à rien que je tire dessus, forcément ça n'a vraiment servi à rien. Ouais, mais ça c'est une prédiction auto-réalisante. Oh là là, je suis dans le rouge, tout va bien. Oh là là. Chargé, allons-y. Concentrez-vous sur cette zone. Nicolas Police, Nicolas Police, Nicolas Police. Quelque chose me dit qu'on va perdre. Nicolas ah, quoi que non, 4-3. Ça c'est trop bizarre. Ah les mecs, ils comptent pas sur les ennemis pour sortir, hein, je crois que... Comme dirait l'autre... Ouh, le sang, il lui a mis une praline. Ça me fait penser qu'il y a un, il y a un nœud sang dans la vallée qui me fait un peu flipper. Mais... Ouais, moi je suis avec un nœud sang. Ouais, bah reste derrière. Un nœud sang et un cœur navrant qui est plus... qui est bien avant. Mmh. Et du coup... Ouais, il va se faire baiser. On a été repéré. Nicolas Police. Ah putain. Nicolas Police. Moi je me casse. Je vais mourir. Je vais mourir. Nicolas Police. Ouais, c'est parce que tu vois, ils voient la longueur de ton canon, ils sont impressionnés. L'autre là, lui, Tigre 2, déjà qu'il va servir à rien dans la partie, et en plus, le mec il joue pas, t'sais.
je crois que c'est en fait c'est il y a des mecs qui se disent oh là là j'ai un niveau trop faible, je joue même pas, je les laisse jouer quoi. Je vais me faire voilà. Des pattes. Exactement. Et je vais gueuler sur mon chien. Joli tir. Ça sort à chaque fois qu'il tire les VV machin là. Joli tir, bah oui. Il en croissant dans la gueule là, il t'explose un bon bon bon. Et la drogue. Il y a un rocher qui bloque. Non mais c'est que là je suis en mode marche arrière comme ça, dès que j'en vois un je le shoot et puis ça se dans le trou. Là-bas. Bah sauf que, enfin, à mon avis c'est plutôt là que ça va sortir en fait. Non mais regarde, moi je suis à 408 de vie. Au lieu de 1100, c'est que je me suis pris un seul obus en fait et ça m'a explosé. Là, le moindre Gugus, même un niveau 8 en face qui arrive, je suis fou. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un niveau 10 au moins au fond de la vallée, et donc méfiance. Ouais, mais il y en a plusieurs. Non, en vrai, ah, moi je dis ça, je dis rien. Et tu noteras que, regarde, il y a 1, 2, 3 lourds, les mecs ils ont pas bougé de la base. Hein. Donc, J'ai comme l'impression que tu as des doutes sur les capacités guerrières de notre équipe. Sur les capacités de notre équipe. Ne va pas du tout. Absolument pas. L'autre jour c'était bizarre, j'ai fait une partie où il y avait que du lourd chez nous, que du lourd chez eux. Ça faisait très bizarre. Like a bird on his walls. Ah, fais gaffe. Ouais mais il est... Bah lui il va essayer de faire le. De passer par le trou. Quoi. Enfin il est plus bas que moi en fait. Enfin... Oui mais il va essayer de passer par le trou je pense. Je vais aller prêter main forte à mon collègue Duffen.
me barrer. Je suis entouré des deux tous. Moi, je vais essayer de faire face en leur montrant mon cul. On peut passer, on peut traverser le... On peut traverser le truc. Hein. Bah, moi, j'ai réussi à traverser. Puis, ah, ma merde, t'es déjà mort. C'est le coup. Donc, dans le couloir, au niveau du train et dans le hangar. Donc, moi, je pouvais pas reculer. Oh là là, bon, bah voilà. Ils ont fait le tour, je me suis surpris. Bon, bah voilà, encore une grande réussite du canard. En tout cas, que tout le monde attaque. Ah bah c'est quand même un des trucs qui marche mieux. Toujours. Ah bah oui mais c'est en tout cas le nombre de fois que j'ai fait cette carte, c'est la première fois que je vois ça. Une grosse attaque en ouais, même. Ouais enfin, mais non mais c'est. Ils sont tous comme des connards sans arrêt sur la hauteur là du château là. Ouais non ça c'est passé de mode pareil. Ça aussi, je crois que les gens sont revenus. Je l'ai fait je sais plus là. Donc montée 69 médium niveau 8. Putain mais t'as autre chose que du niveau des fois après tu te demandes pourquoi t'as pas de thune. bon bah tiens pour le coup on va faire un truc un peu inhabituel. La drogue. Mmh. La drogue, je me drogue au Kleenex. Ah, t'es malade ? Non, mais le matin en ce moment, j'ai quand même tendance à éternuer un peu. D'accord, mais il est 1h. Oui, mais je me suis levé ce matin. Le matin. Oh, chouette ! Qu'est-ce que j'aime cette carte. Bon, je crois que je vais rester plancousé derrière mes rochers, et puis voilà. Il y a des ennemis dans la zone. Détruisez-les, capturez leur base. Je suis pas sûr que ce soit très praticable, en fait, rester derrière mon rocher. Allô. Oui. Je t'entends, qu'est-ce que tu m'entends? Allô, Polo? Tu m'entends? C'est vrai que non. Ah. Putain, ils sont vénères les mecs. Ah, je pense que je débranche leur manche. Allô, Polo? Ah, je crois qu'on a perdu un Polo. Feu! Chargé! Canon prêt! Merde. Ah, je ne sais plus viser. C'est rentré comme dans du beurre. Je ne sais pas ce qui est devenu Polo. Je crois qu'il a disparu. Il s'est fait voler son micro par Flaky. Chargé, allons-y.
Alors toi, tu crois que tu vis une vie tranquille, mais ce que tu soupçonnes pas, c'est qu'il va y avoir un bon gros obus d'artillerie dans ta face, voilà. Bon, il recule. Oh le salaud. Le salaud. Ah, il a vu mon tir arriver, j'y crois pas. Bon, eux ils sont pas praticables, lui il est praticable. Polo, note que si tu parles, je ne t'entends pas. Concentrez-vous sur cet endroit. Feu. Putain, mais les obus mettent une plombe. Oh là là. On m'a rechargé aussi, mais ça c'est pas exactement une surprise. Oui. Donc je disais que note si tu parles, je ne t'entends pas. Bon, maintenant je t'entends. Je disais oui, oui. Voilà. J'étais un peu au téléphone. Allez-y. Concentrez-vous sur cette zone. Bon, je pense que c'est là qu'on s'est reniqué. Ouais, fais gaffe au nord, les mecs. Parce que je veux pas dire, mais on est en train de se faire... de se faire enfoncer nos lignes. Merci, il suffisait de demander, bon. Concentrez-vous sur cet endroit. Vous l'avez en vue, l'artillerie, ou je m'en occupe? Ah, c'est bon. Il y avait une artillerie. Oh l'autre, comment il s'appelle? Merde, putain, je suis gêné pour le tir sur celui-là, là. Non, c'est pas que je l'attaque, c'est que je veux de l'aide contre lui. Ah merde. Oh merde, putain, à une seconde près je pouvais le niquer. Pareil pour moi. Bon, bon bah on a fait du bon taf. Non, mais toi, tu ouais, c'est ce que tu crois. Bon bah 30 000. Je veux dire 30 000 quoi. J'ai entendu 30 000. 30 000, ça fait ouais tranquille. D'XP. Ouais totalement. 30 000 XP en une partie, bah allez hop.
Tac, alors il me faut que je remette. Et quoi? Placez-vous parmi votre équipe. On est de la classe. Hop. Alors c'est quoi la campagne d'argent 8 là? 20 batailles. Pff, je suis à 5 batailles, on est pas près de gagner. Tiens. Alors, pour changer. Oh, un rumbi, dis donc. Au final, je crois que je suis plus. Je crois que je suis plus utile en artillerie, en fait. Voilà, avec un niveau 7, si on y nous fout des niveaux 10, là, tu feras pas grand chose. C'est pour ça que j'avais arrêté aussi l'artillerie française, là. C'est que j'étais arrivé niveau 7, bah, c'est donc là où pas je forcément 7, 8, 9. Voilà, donc je l'ai arrêté, parce que du coup, déjà, faut pas mal pour l'autre, et quand je faisais que des parties qui ont des niveaux 9 et tout, c'était insupportable. Et du coup, je veux dire, en artillerie, ça ricoche. T'es là, tu fais d'accord. Ah, dans ce cas-là, faut prendre des obus explosifs. Oui, bah oui, mais si tu fais en obus explosif, quand t'es face à un E75 et que tu lui retires 34 de vie, t'es bon. Tu vois, tu te dis, c'est peut-être juste parce que t'es mauvais en même temps. Ouais. Bon, bon, bah écoute, moi je vais me planquer au bout du couloir ouest, hein, normal. Ils vont pas faire très original. Voilà. Histoire que si c'était moi en face, j'essaierais de te spotter quand tu... Ouais, et tu raterais. C'est parti. Alors à la limite, on peut faire un petit twist là-dessus, c'est de se foutre sur l'espèce de crête qu'il y a juste avant. Bah moi c'est là que je me mets, là, sur la petite crête en hauteur. Ouais, ouais. C'est un peu galère à y monter, mais... Il m'a l'air d'une petite crête, espèce de punk à chien. Ah, c'est vrai qu'il y a un joli petit caillou ici, non? Bon, allez, on fait style, on est bien placé. Bah, écoute, pour une fois, tous les... Avec le E100 qui est derrière moi, on va à la même vitesse dans la côte. D'accord. Bon, il y a deux artilleries en face, je sais pas trop où elles sont. Les signes habituels ne sont pas évidents. Bon, écoute, les artilleries montent pas leur gueule. Moi, je vais essayer... Ah, il y a un WTF. Tous des enfoirés, ces gens qui ont des WTF. Bah là, par contre, ah, un petit putain. Obus, ouais, mais là, j'ai... Il l'a esquivé juste bien, il a bien joué son coup. Apparemment, il y a quelqu'un derrière un rocher que je vais essayer de niquer. Alors, j'aime bien, parce qu'en fait, il y a... Alors, deux légers, un lourd, un médium et un E100, ouais. D'accord? Je suis bien derrière eux, les mecs, pff, on leur tire même pas dessus. Moi, je me fais détecter, moitié de vie retirée. Les mecs, ils pensent qu'ils réussiront pas à pénétrer les autres. Donc, tu vois, ils se disent, oh, bah tiens, le WTF, c'est la biatch de service. On va lui niquer sa race. Concentrez-vous sur cet endroit. Là, le léger qui réapparaît plus alors que je l'avais dans mon viseur. Feu. Oh là là, 31 points que je lui enlève. Qu'est-ce qu'il disait là? Ouais, non mais... Je ne l'ai pas touché proprement. Ouais. Ah, petit léger. Merde. Canon prêt. Oh là là. Ouais, proprement, tu l'aurais retiré 40. Non, 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 franchement, elle marche pas si mal cette artillerie. Je vois pas ce que tu lui reproches. Ouais. Cette artillerie 7, elle est super bien quand t'es face à des niveaux 7. Voilà. C'est... Face à des niveaux 9, ça marche pas. Écoute, je vais essayer de... Au pire, tu les déchenilles, quoi. Voilà. Voilà, un low, j'ai fait 213 quand même. Oh là là, putain, il y a du monde. Et les autres cons qui bougent pas. Ah, foutu. T'es foutu? Concentrez votre attention ici.
Il y a un niveau 10 en hauteur. Voilà. Ce qui me fait chier, c'est le T-49 là que j'essaie d'avoir depuis une plombe, mais il bouge bien l'enfoiré. Alors je suis à quoi? Je suis à 1 seconde 9. De toute façon, je ne donne pas cher de notre équipe. Allez-y. Non, c'est pas du tout ça que je veux dire. Je sais pas, je t'ai pas entendu dire quoi que ce soit. Non, mais le. En fait, il y a un mais le niveau 10 sur la crête que j'ai bien abîmé et qui était en train de reculer. Je voulais faire, tu sais, genre appuyer sur le truc et l'autre, en gros, je dis machin. Ah oui, ça c'est chiant. Donc l'autre n'était même pas dans mon collimateur. Ah merde. Je ne sais pas ce que fout l'autre artillerie, mais à mon avis, je crois qu'on peut résumer ça par pas grand chose. Bon. L'autre artillerie a justement profité pour se réveiller. Sauf qu'elle a rien foutu d'utile, mais bon. Bon, alors les mecs, je vais vous apprendre. Ah, allez, dégage toi. Les mecs, je vais vous apprendre comment se joue cette map. Hein. Ça va se passer sur le plateau en fait, vous voyez. Et voilà, une petite pute en niveau. Ça m'énerve. Je fais un retour au garage, moi ça me saoule. Parfait, refais une autre partie pendant ce temps-là si tu veux. Mange des pâtes. Bon. Oh là là, genre je le rate. Des pâtes, oui, mais des barils là. Quand tu es dans le chenal, le bar est là. J'ai pas entendu ce que t'as dit. Si, tu as entendu. Non, je plaisante. Non, pitié, pas deux fois de suite. Tu la connais, c'est l'histoire d'un zoophile qui rentre dans un bar. Oui, je sais, c'est un classique. C'est un grand classique. Bon, j'ai réussi à toucher un WTF le sang. Ah, ça y est, je me fais tirer dessus. Bah, c'est vrai que j'aurais pu regarder ce que tu faisais en attendant. Voilà, je suis mort. Du coup, je suis bien content parce que c'était un lourd là, le T110E5 là. Ouais. Les lourds ricains, voilà. Et celui qui était sur la crête que je t'ai dit là. Et genre, il avait. Un sixième de sa vie qui était retiré à la base. Et en fait, je lui ai mis en tout 4 obus. Et bah, le quatrième, en fait, c'est quand il est ressorti, genre tout vénère, je lui ai mis un obus, je l'ai niqué. Du coup, il a bien piqué. Uh-huh. Tiens. Qu'est-ce que c'est ça là? Attends, il y a un kangou qui est garé tout à côté de chez moi. Et c'est un kangou au bas de caisse complètement rouge. Non, il est bleu nuit. Et la police! Ah, d'ailleurs, il y a eu un accident très bizarre. À Poubalais, dans le bourg, au niveau de. Tout ça, là, t'as le boulangerie qui est en face, et en fait, il y avait gendarmerie, pompiers, SAMU, truc et tout. Et en fait, il y avait une caisse qui était garée, donc sur la droite. Elle était explosée. Et genre, t'avais les pompiers qui tendaient un drap, et genre, ils étaient derrière avec le blessé, quoi. Là, je fais, c'est quoi ce délire? Le truc, voiture garée, c'est juste avant l'église, enfin, tu roules pas vite, quoi, je comprends pas trop le. Telle violence de l'accident, enfin, je trouve ça. En même temps, t'as pas besoin d'aller très vite pour plier une caisse, hein, bonjour. Ah oui, non, c'est sûr, ah, bah oui. Mais c'était quoi comme caisse? Bah, c'était en plus, bon, en même temps, c'était une chiotte, hein, c'était une Ford. Les Ford K. Ah oui, c'est une petite caisse, et puis. C'est peut-être fait en carton, hein. Bon, alors ici, vous savez comment ça se passe, hein? Moi, je sais comment ça se passe. Tout ce que nous
nous avons à faire est de capturer l'emplacement indiqué sur la carte. Déployez-vous. Et tout ce que... Oh, le FM, il m'énerve, le FTM 50 tonnes français, là, le truc c'est un char lourd, le truc c'est un ELCAMI. Le mec il est déjà parti là, et c'est lui qui va aller spotter les mecs, là j'y vais pour rien. Mais bon, c'est un premium 8, hein, donc tu vois, 50 euros le char, voilà quoi. Ouais, ouais. Ah. On a été repérés. Comptez 37. J'en vois un. Bon, le T37 m'a même pas éraflé. Ça fait toujours plaisir. J'avoue que le blindage de l'IS3, j'avoue que c'est assez plaisant. L'ennemi sait où on est. Ah, mais l'IS, putain. Moi je dis yes. Oh, il est en mousse ce char aussi là, pourquoi j'ai repris ce char? Genre je rebondis sur le T30. Parce que le niveau 9 est bien. T'as quoi là? Ah, le T69. Bah, le T69, là, je l'avais vendu parce qu'il était pourri et je l'ai repris parce que je veux le niveau 9. C'est quoi le niveau 9? Parce qu'en fait, je me dis que je veux pas de niveau 9. C'est un nom à la con, je te dirais tout à l'heure. C'est un genre, c'est un nom compliqué. Mais c'est à chaque fois que... Ouais, c'est un T50... non, c'est pas T. Si, c'est T54E3. C'est un truc un peu à la con comme ça. Et en fait, à chaque fois que j'étais en face de celui-là, mais genre, le truc, c'est une tuerie. Et à chaque fois que t'es avec, c'est de la merde. Bien et tout. Non, bah non, c'est niveau 9, je l'ai pas. Ouais. Mais c'est pour ça, et du coup, j'aimerais bien l'avoir, mais 176 000 d'XP pour l'avoir, donc j'ai un peu le temps, là, vu que je suis qu'à 26 000. Alors, en même temps, si t'étais bon... Là... Ah oui, au final, tu m'as dit que t'avais juste eu 7 jours de premium. Enfin, avec ton KR navrant, tu ne peux rien contre la puissance des chars russes cheatés. Ah merde, putain, je m'avance comme un con, j'ai pas rechargé. Oh putain. L'ennemi nous a dans son viseur. Oh l'enfant, il a fait tout. Putain, la team se fout rien, mais rien. C'est la folie. Ouais, alors moi je me souviens que face à des T69, je me souviens qu'ils sont assez chiants hein, en fait. Bah parce que j'ai 5 obus. Ouais, ouais. Mais à part ça. Enfin, si ça va, ça ricoche de temps en temps, mais je veux dire, c'est un médium quoi. C'est un vrai médium, ouais. Tu vois, le truc il est médium quoi. Un médium russe. Je crois pas que j'ai fait la branche du médium russe. Ouais, je l'ai fait là, j'ai pris l'espèce de truc tout plat là. Ah oui, l'objet je sais pas quoi là. Ouais. Ouais, voilà. Ça m'a saoulé. Mais en fait, ce qu'ils font, c'est que quand tu veux le char qui est trop bien niveau 8 ou 9, tu vois, ou même 10, les trucs ils sont super, ils sont bien, super chiants à monter. Les chars avant, mais les plus pourris du monde. Ils sont hyper pourris, faut que tu fasses 170 000 d'XP avec, tu fais ouais les gars. Bah faut avoir le premium et puis voilà. Putain, je t'ai détecté oui, De une, j'étais en lourd et de deux, j'étais. Ah oui, c'est vrai. Ah bah oui, c'est vrai que t'es... Oui, c'est vrai que je suis. Et tout ça c'est pour les lourds, les gros, pour ceux qui ont pas peur d'en avoir sous le capot. Ah, je voulais demander à Doc Klein si on t'entendait bien, mais apparemment il est pas là.
mieux pour lui demander qu'il soit. Ouais, ouais, ça peut servir. Hop, 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 hop. Toi, je savais pas que t'étais là, toi. Et ceux-là, ils sont bien chiants, celui-là. Ici, là, il est face à moi, là. Oh. Genre, c'est quoi ce truc? Ça se casse pas, ça. Connerie. Ah oui, on est en guerre, non? Je sais pas quoi. Ouais, c'est ça. Pff, ils font chier avec leur truc. Allez, 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 allez. Prendre la vitesse. Hop, 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 hop. Oh, genre. Il faut que je recharge. Yep, hop, 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 hop. Et je sais. Ah bah s'il est en face, t'as rien à faire. Hein. C'est comme le chasseur français que je te disais, le Foch machin là. Lui là, il est au loin en face, mais c'est le tortoise, il est facile quoi. Tu vois, parce que t'as au moins la tourelle d'observation. Moi sans premium 13 000 et 26 000 avec le premium. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Rumbi, je suis toujours avec mon x2. Et après, si t'es sage, on fera un petit niveau 4. Là t'as une panthère là. Oh la panthère, oh bravo. Ouais. T'es toujours en majeur. Ouais. Ça va être la dernière de cette série là, ça fait déjà 49 minutes qu'on est dessus quand même. Ouais. Je vais arrêter et puis je vais reprendre après. À moi que tu te barres, enfin. Mais, ouais. Ami youtubeur, je mange mon gratin. Salut. De toute façon, moi, ce soir, c'est burger maison, tu peux pas tester. Et tu fais quoi? T'en fais qu'un et tu le coupes en six. Ouais, voilà. Tout n'empêche, tu devrais faire les marchés et les vendre au poids. Une part, quoi, 500 grammes, ok. Ça fera un tiers de l'hamburger. Là, on est bon. Non, mais... Vous voulez un ou deux steaks? Enfin, un ou deux côtes de bœuf dans votre burger. Et il y a un truc que je me disais, c'est que... je t'en ai parlé, que... Je me disais que ça serait sympa de faire un stream de cuisine, comme ça. Ouais, tu m'as dit. Bon, barrez-vous tous. Là et voilà, allez tous dans vos directions. Moi je vais vers le nord parce que moi j'écoute du Immortal, donc je vais vers le nord. Ah non, il y a un petit AT7, je vais le laisser, je vais le suivre vers l'est. J'aime bien les petits AT7 et AT8, ils sont vachement plats aussi. Je peux foutre derrière, du coup je peux tirer quand même. Et au moins les protéger. Les AT7 ils sont quand même pas si plats que ça. Bah si, le cul à l'arrière. Oui, le cul, oui. Il a le cul plat. Il va pas plaire à Booba. Parle malin. Allez, oh non, j'étais dessus.
Écoute, pour... À l'attaque, bah si tu veux... Pour l'instant, le déploiement dans le nord se passe sans trop de soucis. Normal, ils vont être tous au sud. Non, non, il y en a au nord. Au nord, ils sont pas complètement fous. Par contre, ceci dit, il n'y a pas grand monde non plus. Ils attaquent pas, donc je pense qu'ils doivent se sentir un peu faibles. Ou alors ils nous font une super strat élaborée avec embuscade de fou. Il y a quand même un mec dans la team qui s'appelle Yugot Razord. Donc je veux dire, voilà, ça monte le niveau. Ben, genre, t'as été rasé, quoi. Yugot Razored. Les mecs... Je veux dire, c'est à ça qu'on reconnaît le niveau d'une team. Bon, lui, je lui dis d'aller un peu en arrière, tu vois, Yugot Razor. La gueule, Flak, là. Oh là là, oh là là, oh là là. Bon, il y a des connards. Il y a un tas de connards. Il y a un tas de connards là. Concentrez-vous sur cet endroit. J'ai pas l'angle, je fais chier. Ils nous ont repéré. Oh là là, ils sont tous au nord en fait. Ils sont complètement tous au nord. Moi j'ai pas le temps d'aller aider mon pote au sud là. Concentrez-vous sur cette zone. Nous avons perdu un véhicule. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de tenter un truc de fou. Je ne suis pas. Ah si, maintenant je suis détecté. Ils nous observent. Oh là là, je me fais toucher le cul. Je me fais toucher le cul. Ah ouais, je suis en train de voir ta barre de vie là. Ah putain, j'ai complètement échoué. Comme on dit dans Tenchu, j'ai échoué. Donc voilà. Je sais pas si tu l'avais fait celui-là. Tu sais, il y avait un Tenchu. Il y avait une meuf qui disait « Oh, j'ai échoué ouais, !» C'était horrible. C'est pas confortable. Ah ouais, c'est vrai, ça peut plaire aux gens. Je sais que les gens ont suivi un peu... Tu peux... Bah oui, je suis con, je veux dire, tu peux faire le stream pareil. Oui, tout à fait. Non, mais écoute, la question méritait d'être posée. Ah ouais, on peut tout à fait faire du Tenchu. Attention. Hop, quel con. Ouais. Je serais pas mieux derrière l'espèce de petite butte, merde. Espèce de petite butte, va. Non mais je vais niquer son petit râtelier de munitions, lui ça va un peu l'emmerder. Oui non, la question c'était est-ce que tu serais pas mieux derrière l'espèce de petite butte sur laquelle tu étais. Oui, la blague, espèce de petite butte, tout ça, par exemple, je vais en mettre un. Oh genre ça ricoche. Bon en tout cas il lui reste pas grand chose. Hein. Mais genre t'avances comme un fou. Ouais. Perdu. En fait, il s'est jeté à l'eau. Il était juste sur le bord. Genre. Il s'appelait comment?
Oh, c'est pas. Bah oui, bah voilà. C'était un IS-3. Ah si, ouais, je vois un IS-3 encore actif. Je vois le seul IS-3 ennemi et encore actif. Bah ouais. Bah voilà. Ah. Bah oui, je t'ai dit qu'il était au bord. Tu m'étais pas. Allez. Voilà. Oh, sérieux. Voilà. Sans déconner, on va faire deux fois. Donc c'était le meilleur de son équipe, donc tu l'as éliminé. Ouais. Mais ça, ça m'énerve un peu ce. Enfin si c'est bien. Oula, suivez-moi toi. Ouais bah il a quelqu'un au cul. Là. Ouais bah oui, j'ai dans le temps de mettre dessus moi. Oh sérieux, mais c'est quoi ces visages là, enfin, ces visages, ces visements. Cette visée. Ça m'énerve. Et j'étais. Mon rond, il était tout le rond était sur lui quoi et il prend rien. Cette visée. Voilà, donc forcément il est voilà. Ah enfin, oui, il y a un léger. Il y a un léger en plus qui m'arrive dessus. Ça m'énerve. Mais tu pourrais rester au bord du truc et te casser de là, hein. Je crois que ce serait la solution la plus intelligente. Ah, un petit M41 Bulldog, là, il va faire son petit show. Je crois que tu ferais mieux de t'éloigner. Oh, c'était beau, ça. Bien joué. Pas encore. Je crois qu'il va faire la loi, ce petit con. C'est pas rendu compte qu'il était le dernier instant, en fait. Genre le petit léger qui est là, hein, tu veux te battre, ouais, je vais me plancher. Tu veux te battre, hein. Mais je suis un fou, moi je suis un déglingo. Bon, j'ai quand même fait de la grosse merdasse, mais je n'ai plus de x2. Et j'ai pas perdu d'argent. Merci le premium.